Bonjour, bonjour et bienvenue en ce 20 décembre 2023. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai l'impression que la vidéo d'aujourd'hui va être un petit peu longue. Il me semble avoir pas mal de choses à vous raconter. Mais voilà, on va prendre le temps et vous m'excuserez si vous entendez un peu de bruit, mais il y a toujours un atelier de réparation dans la cuisine en ce moment, donc l'électricité n'est pas encore tout à fait au top, et donc voilà, si vous entendez un peu de bruit, ne vous en étonnez pas, je ne peux malheureusement pas faire autrement. Nous sommes début d'après-midi, je n'ai pas eu l'occasion de filmer avant, et une fois n'est pas coutume, je vais commencer par vous parler de mon gilet Sunday Cardigan édition Mohair, parce que j'ai deux, trois petites choses à vous dire à son sujet et ça prend beaucoup de place autour de moi et donc je voudrais pouvoir commencer par là pour après alléger un petit peu l'espace. Donc, j'ai continué à le tricoter, j'ai changé les anneaux marqueurs, je me suis mis des anneaux marqueurs de Noël. Je me suis dit que c'était vraiment le moment ou jamais de les utiliser. Un contre-temps de Noël également, voilà. Et donc, depuis, il n'a pas poussé beaucoup, hein, voilà. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais là. J'ai fait 2 petits centimètres. Mais surtout, et c'est la raison pour laquelle je m'étais arrêtée, je suis arrivée, donc je déplace l'anneau marqueur, à la fin de ma première pelote de Super Soft. Et dans un premier temps, je m'étais dit, ben, quand j'aurai fini cette pelote de Super Soft, je passerai aux manches, je ferai les deux manches, et puis je ferai le corps, ce que je fais d'habitude. Sauf que si vous vous souvenez, si vous me suivez depuis le début des Vlogmas, je vous ai expliqué que j'avais 2 teintures différentes pour le Super Soft. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique, mais voilà. Ça, c'est la couleur que j'ai utilisée au début. Et il me reste ceci seulement. Et puis, il me reste ça pour le corps. Les mohairs, eux, sont tous identiques depuis le début. Donc j'espère que la différence, comme il y a 2 brins de mohair avec la Super Soft, j'espère que la différence sera pas trop forte. Mais comme il y en aura probablement une quand même, j'ai un petit peu réfléchi. Le Sunday Cardigan édition mohair a des manches toutes droites qui se resserrent au niveau du poignet. Et en fait, j'ai calculé, j'ai regardé le nombre de mailles. Le corps représente 60% des mailles et 20% pour chaque manche. Donc, comme c'est une proportion assez facile à calculer, eh bien, j'ai décidé de ne pas faire les 2 manches d'un coup, mais de tricoter. Donc, j'ai séparé mes 2 bas de couleur en 3. 60% pour le corps, donc voilà, vous avez 60% de la couleur 1 et là vous avez 60% de la couleur 2. Et j'ai fait la même chose pour les manches, j'ai mis 20% pour chaque manche. Voilà, je vais donc tricoter, puisque là maintenant mes aiguilles sont sur le corps, je vais tricoter ceci, donc continuer la couleur 1 sur le corps. Quand j'aurai fini la couleur 1 sur le corps, je ferai la... Je vais y arriver. Je ferai la couleur 1 sur la première manche, puis la couleur 1 sur la deuxième manche, et puis j'attaquerai la couleur 2 sur le corps, et puis je ferai, voilà. En espérant de cette façon-là, il y a une petite chienne qui joue à mes pieds, ce qui explique le petit grelot. C'est pas un peu Noël, vous ne trouvez pas? Donc, je disais, voilà, en espérant de cette façon-là, d'avoir la transition couleur 1, couleur 2, de manière à peu près la même sur le corps et sur les manches. Et je finirai donc par la couleur 2 partout. Je me suis dit que ce serait peut-être le plus joli, plutôt que de mettre
la couleur 1 sur les manches et puis de reprendre la couleur 2 sur les manches et puis de reprendre la couleur 1 sur le corps, j'ai l'impression que ça ne serait pas très heureux. Alors certes, les manches iront plus loin que le corps, a priori. Mais bon, voilà, on verra bien. De toute façon, ça ne peut pas être parfait, n'est-ce pas? Puisque c'est deux bains différents. Donc voilà, voilà, c'est pas grave. On va faire en sorte. Et donc, j'ai étiqueté. On va faire en sorte que ça soit quand même joli. J'ai étiqueté voilà, chaque petit peloton, parce que à la lumière naturelle, on voit bien la différence, mais le soir, quand je tricote à la lumière artificielle, j'ai un peu peur que j'ai un peu peur de me tromper. Voilà. Si j'ai un changement de pelote à faire en soirée, j'ai un peu peur de me tromper, donc voilà, je remets. J'ai tout étiqueté. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà, donc voilà, voilà. Je range tout ça, ce qui va un petit peu dégager l'espace sur le bureau. Et donc, je vais pouvoir... J'en ai un des pelotes. Voilà. Là, est-ce qu'il reste un peu de place pour mettre le tricot? Oui, un petit peu. Voilà, voilà. Mon très beau sac de Noël. Ah oui, ça c'est une petite beauté. Offert par Sandra il y a, je pense que c'était pas le Noël dernier, c'était le Noël d'avant. Voilà. On va passer au calendrier de l'Avent pour commencer. Donc, vous avez vu, mon époux a tiré ce petit pochon dans lequel il y avait ce rose tendre. Ça, c'est du BFL que j'ai teint moi-même et j'essaye de me souvenir ce que j'ai fait avec, mais je ne me souviens plus. Ce n'est pas grave. Voilà, ça va venir ici. Là, je vous montre. Voilà. Ça va venir là. Elles poussent, elles poussent. Elles sont bien jolies. Elles me plaisent beaucoup, en tout cas. Voilà, j'espère qu'elles plairont à mon... À mon amour aussi. Alors, mes chaussettes. Donc hier j'ai tricoté. Hier et avant-hier j'ai fait ça. Oui, c'est vrai, je ne vous ai pas montré sur les. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai tricoté hier et avant-hier. Donc là, on a. Je me demande si c'est pas lille la couleur de Madeleine et Philibert. Et ici, c'est un autre rayon de du bruit des aiguilles. Voilà. Et donc, moi, ici, j'avais ces deux couleurs-là, donc du jaune et du rouge vif. Et ici, un rose tout mélangé. Et alors, cette couleur de Magicilaine, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est une des plus belles laines que j'ai jamais vues en termes de couleur. Regardez ça. Regardez ça comme c'est beau. Un travail de teinture magnifique. Je suis totalement conquise. Alors, je vais ouvrir les deux petits pochons que vous m'avez vu prendre dans le sac. Ma petite Lotus a un lapin avec un grelot. Et de temps en temps, elle joue avec. J'adore. Alors, oh, 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 oh. Il y a des choses là, il y a des choses. Oh, des bloqueurs de mailles. Alors, je vais ouvrir une petite boîte là. Voilà. Et donc, là, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça aussi, c'est joli ça. Ça, ça ressemble à un autorayon dans les tons bleus. Très, très joli. Et c'est... Alors, c'est de la Arco Iris Yarn, Dobby, donc c'est sa base mérino nylon, et la couleur c'est Pogno. Voilà, ça c'est du Pogno, peut-être pas autorayant alors. J'ai dit pas d'autorayant. Ce n'en est pas un, c'est l'effet
mais c'est l'effet qu'il fait. Ah, d'accord, donc c'est pas un autorayant qui ressemble à un autorayant. Voilà, bien noté, madame. Donc ça, c'est la couleur 1 et la couleur 2. Tac, tac, tac. Ah, il y a aussi des petites choses là-dedans. Il y a aussi des petites choses. Alors là, 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 là. Attention, c'est du gris, ça. C'est un joli gris, bien, bien nuancé. Oh, c'est très, très beau, ça. Ça, c'est très, très beau aussi. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est The Uncommon Thread. 366 mètres pour 100 grammes. Je ne connais pas du tout cette marque de laine. The Uncommon Thread. Voilà. Et la couleur, c'est Breath. Ça, par contre, je trouve que ça lui va bien. Alors, il y avait des choses dans le fond. Qu'est-ce que c'est, ça? Oh, un nanomarqueur. Oh, 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 qu'il est beau. Oh, qu'il est beau. Regardez ça, qu'il est beau. Alors, est-ce que vous arrivez à... Je me fais penser à Miss Manu au naturel. J'ai commencé à regarder sa vidéo ce matin. Ça me faisait trop rire. Elle n'arrivait pas à présenter ses anneaux marqueurs. Là, ça reflète la ring light. Bon, ben, c'est un anneau marqueur en écaille de poisson. Très joli. Et c'est un recto verso. Moi, j'en ai deux, mais ils sont que recto. Superbe. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors. Je ne sais pas si je vous ai montré la petite étiquette Arco Irisium. Je vous la remontre. Voilà. Alors maintenant, il faut choisir sur quelle chaussette je vais mettre quelle couleur. On a du gris et du bleu. Alors, bref, ça va être compliqué de choisir. Alors là, on a déjà un petit peu du turquoise. Donc, on pourrait peut-être partir sur... Ah non, parce que là... Non. Je vais mettre la... Excuse-moi, Lotus. Je vais mettre la bleue. Je vais mettre la bleue ici. Et la grise de l'autre côté. Voilà. Comme ça. Parce que ici, le sous-ton est quand même un peu gris. Et j'ai peur qu'on ne verrait pas bien la rayure, je pense. Donc voilà, comme ça, je mets les petites boulettes dedans pour ne pas les perdre. Voilà, 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 les petits pochons sont là. Alors, aujourd'hui, j'ai deux chocolats à vous présenter. Le chocolat du 19. Le chocolat du 19, c'était deux petites... je ne les ai pas mangées parce que je voulais vous les montrer. Donc, c'est deux petites, deux mini-tablettes. De son chocolat Boyaca Colombie à 72%. Voilà. Voilà, il y en a deux. C'est un chocolat très, très équilibré. C'est celui qui sert en partie pour faire les couvertures des pralines, je pense. C'est aussi celui qui sert un des deux pour le chocolat chaud. Voilà. C'est un très bon chocolat noir. Alors, ici, le numéro 20. Le numéro 20. C'est une mini barre pécan. La mini barre pécan. La barre pécan, c'est ma barre préférée. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, j'aurai droit à deux chocolats. Alors, je les range, ça fait un peu de bruit. Je vais couper le son. J'arrête d'y toucher. Alors, il nous reste le Speltas. Ah, j'ai des choses à vous dire concernant le Speltas. Jacqueline.
Je me suis souvenue, ah bah non, elle m'a réécrit et donc j'ai enregistré son prénom. Jacqueline, donc, qui m'a demandé combien de grammes elle devait mettre pour préparer pour le Speltas. Bon, alors je lui ai répondu, hein, j'avais répondu en vidéo, je pèserai mon Speltas quand il sera terminé et je vous dirai, ben voilà, ça fait 25 fois autant de grammes. Et je l'écrirai sur ma fiche Ravelry. Je le ferai, bien sûr. Mais j'étais quand même curieuse de savoir combien ça faisait et donc j'ai pesé. Deux sections, avant et après. Et la première section, j'ai utilisé 5,68 g et la deuxième, 5,92 g. Comme c'est quand même beaucoup moins que ce qui est recommandé, je me suis interrogée et je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Et donc ben, les calculs vont être un peu faussés puisque je me suis trompée. En fait, je me suis rendu compte que certaines sections étaient plus étroites que d'autres. Celle-ci, par exemple, ça se voit bien, notamment. Voilà. Et donc, en fait, normalement, on doit faire 18... on doit faire un certain nombre de répétitions de rang en droit avec des diminutions. On doit reprendre un certain nombre de mailles, etc. sur la section précédente. Bref, toujours est-il que moi, je n'ai pas fait le nombre, pas toujours fait le nombre de répétitions demandées. Donc forcément, ça compte les calculs, ça trompe le calcul, ça fausse le calcul. C'est comme ça qu'on dit en français, ça fausse le calcul. Quoi qu'il en soit, je vous donnerai quand même toutes les informations et je crois que je vais continuer à peser avant après, en essayant de bien faire à chaque fois ce qu'il faut faire, pour que vous ayez des informations les plus précises possibles. Voilà. Alors, la couleur du jour, ça sera quoi? Oh, c'est beau ça. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je la vois pour la première fois, cette lune-là. Bah, ça alors. C'est quand même moi qui l'ai fait, ce calendrier. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais aucune. J'ai l'impression de voir cette laine pour la première fois de ma vie. Mais enfin. Alors là, pour une surprise, c'est une surprise. Eh bien, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais c'est magnifique, c'est super beau. Oh, c'est beau, c'est triste de ne pas savoir ce que c'est. C'est pas moi qui l'ai fait. Ça, je suis sûre. Ou alors, j'ai une grosse absence. Bon, donc, ça va venir là. Ça va être bizarre, hein, comme association. Bref, c'est comme ça. C'est très, très beau, ça. C'est très, très beau. Vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis subjuguée. C'est peut-être quelque chose que j'ai reçu juste au moment où je faisais mon calendrier de l'Avent et je l'ai emballé et je n'ai pas mémorisé. Mais c'est magnifique. Et j'ai pas d'étiquette. Donc j'ai zéro information. Bon, pas grave. Très très beau. Donc, si c'est très très beau, on est content. J'ai oublié de vous dire ce que je porte. Je porte mon cardigan Magnolia. Oui, Chunky Magnolia. Donc ça, vous l'avez déjà vu, je ne vais pas le remontrer. Par contre, je porte aussi un châle. C'est très rigolo. Je vais vous expliquer. C'est un châle que mon amie Béatrice a tricoté et qu'elle m'avait envoyé l'année dernière, au mois de décembre, dans un gros colis qu'elle avait fait pour moi. Et si vous me suiviez déjà l'année dernière, j'avais déballé son colis pendant un épisode de Vlogmas. Je l'ai mis, j'ai mis ce châle ce matin. Je l'avais mis hier aussi pour aller à Maastricht. Il va pas mal avec ce que je porte. Donc voilà, super. Et c'est aujourd'hui que le facteur m'a apporté le colis de Noël de Béatrice. Parce que cette année, elle m'a encore envoyé un colis de Noël. Alors, ben, je vais déballer les petites choses avec vous, n'est-ce pas? Donc, j'ai
quelques paquets à déballer. Ils sont merveilleusement emballés avec beaucoup de soin. Très joli. Alors voilà, je déballe. J'espère que ça ne va pas faire trop de bruit. Juste enlever tous les plastiques exprès pour ça, pour ne pas que ça fasse trop de... C'est pas agréable, hein, de regarder une vidéo. Alors, ben, vous avez la même couleur que moi, mais je ne suis pas en lumière naturelle, donc voilà. C'est de la Sokier. Elle est super belle. Super belle. Oh, magnifique. Alors, la Sokier, c'est 75% Merino Superwash, fine Merino Superwash, et 25% nylon. 212 mètres pour 50 grammes. Et la couleur, c'est 102 amolite. Voilà. Et ben oui, c'est vraiment ce que vous voyez. Ah ben, en plus lumineux, évidemment, parce que la caméra illumine les couleurs. Merci beaucoup, Béatrice. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Il y en a un deuxième. Et c'est mou aussi, hein, donc... Peut-être du tissu. Oh, peut-être. Oh, l'année dernière, Béatrice m'avait envoyé à Noël un très joli coupon de tissu fleuri avec lequel je me suis fait une banane. C'est encore de la Sokier, vert foncé. Oh. Eh bien, voilà. Je n'aime pas le vert, mais c'est de moins en moins vrai. Ça, en plus, c'est le vert qui me va. C'est magnifique. Et alors, les deux, c'est trop beau. Ce vert est splendide. Ce vert est splendide. Magnifique. Et c'est, je suppose, la même composition. Hein? Oui, tout à fait. Et la couleur, c'est Malachite. Un nom qui lui va très, très bien. Oh, c'est splendide. Ouh là là! Splendide, splendide. Je ne vais pas trop toucher au papier. Voilà. Alors là. Je me demande bien ce que c'est. Là, je l'ai mis tout en couleur. Je ne sais pas pourquoi je parle tout bas. Bon. J'attaque les papiers collants. Attention les oreilles. Merci. Oui, parce que j'aime beaucoup m'essayer à l'aquarelle et donc voilà, avoir des carnets de papier, c'est toujours extrêmement utile. J'ai reçu un magnifique carnet à l'aquarelle et je crois que je vous l'ai montré. Hein. Je crois que je vous l'ai montré. Alors ici, j'ai une petite déco pour mon sapin. Hop, je vais la mettre tout de suite. Regardez ça. C'est trop beau. Je vais la mettre. Où est-ce que je vais la mettre? Là. Là. Bon, vous ne la voyez pas, mais elle est là au-dessus parce que c'était un endroit où il fallait la mettre, un endroit où elle allait être bien mise en évidence. Alors, je déballe. Attention les oreilles. Ça, c'était mon rêve quand j'étais petite fille.
Je ne sais pas si oui, si vous êtes de ma génération, vous en avez eu ou vous en avez vu. J'en ai eu une, moi, mais elle se fermait. Les enfants, on est bêtes, hein, parfois. Elle ne se fermait pas de cette façon-là. Et moi, je voulais une qui se fermait comme ça. Et ben voilà. J'ai juste dû attendre 50 ans, mais je la reçois. Merci beaucoup, Béatrice. Alors, elle n'est pas vide. Hein. À sentir le poids, elle n'est pas vide. Mais dis donc. Oh! Il y a la deuxième petite décoration. Alors, la première, c'était le petit garçon. Et là, c'est la petite fille. J'accrocherai après. Trop bien. Alors, comment vous dire que cette chose est magnifique? La boîte est superbe. Et je pense que dedans, ce sont des choses faites maison. Des petites douceurs. Des petites douceurs. Oh, l'odeur quand on ouvre la boîte. Oh là là, regardez ça. Je vais me régaler. Oh là Et ça sent bon. Oh là là, merci Béatrice. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Alors, c'est pas tout. Là, il y a. Oh, ce sont des bloqueurs de mailles. Alors, en termes de bloqueurs de mailles, je suis gâtée, hein? Et attendez, il faut que j'arrive à l'ouvrir. J'aime bien, moi, les petits pochons en organza comme ça. Mais avec des marqueurs de mailles magnifiques. Oh oui, ils sont trop, trop, trop beaux. Alors, d'abord, les petits bloqueurs de mailles. Ils sont roses avec des petits speckles Et puis, alors, il faudrait que j'ai. Là, j'ai une aiguille, mais elle est très très fine. Je vais voir si j'arrive à vous les montrer comme ça. Ce sont des petits bijoux, ces anneaux marqueurs-là. De vrais petits bijoux. Regardez ça. Il y en a trop pour la longueur de mon aiguille. Je vais essayer comme ça. Ne sais pas, j'ai pas l'impression qu'il fait vraiment la netteté. Ils sont très, très, très beaux. Oh, de toute beauté. Merci beaucoup, 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 Béatrice. Ils sont vraiment magnifiques. Oh, mais tu me gâtes, mais c'est un truc de fou. Il y a encore deux paquets. Ça, ça a l'air d'être du tissu. Et tout est tellement joliment emballé. Oh là 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 là. C'est tout brodé, c'est tout brodé, Oh, c'est un centre de table. Oh. Il est magnifique. Il est splendide. Ça va être magnifique sur ma table dans le sud. Oh Béatrice, qu'est-ce que c'est beau! Oh, c'est splendide. C'est magnifique. C'est magnifique. Je n'ai que ça à dire, c'est magnifique. A été écrit dessus. Saugette. Saugette seulement nature.
un joli petit pochon. Aucune idée de ce que c'est. C'est relativement lourd quand même. C'est une bougie artisanale à la bergamote. J'adore la bergamote. Oh, magnifique. Magnifique. Regardez. Regardez comme c'est beau. Voilà. Voilà. Oh, et c'est dans un super joli petit pochon. Ça va être ma petite lumière de Noël. Merci beaucoup, 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 Béatrice. C'était trop bien. Je suis trop gâtée. Et je serais totalement incapable de dire ce qui me fait le plus plaisir parce que tout est magnifique. Et ça, je vais me régaler. Et ça, sur mon sapin, ça va être trop bien. Et puis les anneaux marqueurs et puis tout est trop bien. Bon, et bien voilà. Je ne sais plus quoi dire. Et en plus, la boîte est toute belle. Là, voilà. Je vais rassembler mes esprits. Vous me direz en commentaire si vous avez eu une valise comme ça quand vous étiez petite. Et bien moi je suis contente parce que j'en ai eu une aujourd'hui. Et ça me reconnecte avec mon cœur de petite fille. Et comme quoi, parfois, les vœux mettent du temps à s'exaucer, mais il y en a qui arrivent longtemps après, mais qui sont exaucés quand même. C'est trop drôle. Et voilà. Je suis sous le charme. Merci infiniment, Béatrice, mais infiniment pour tous ces magnifiques cadeaux. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bon, j'ai parlé... Ah, puzzle! Je dois encore vous parler du puzzle. J'ai fait le puzzle du 17, mais hier on était le 19. Et donc hier je devais prendre un nouveau puzzle, ce que je n'ai pas fait. Je crois que la boîte du 17, elle est là en dessous. Voilà. Et je prends la grande boîte des puzzles. Voilà. Et je vais l'ouvrir. Je remets le puzzle du 17 et je prends le puzzle du 19 qui va falloir que je fasse aujourd'hui parce que demain je dois en prendre un nouveau. Donc aujourd'hui je vais avoir pas mal de tricot et en plus un puzzle. Voilà, le petit carnet avec le puzzle du 19. Qu'est-ce que c'est le 19? Ah! Ça, j'adore. C'est New York. New York à Noël. J'adore. City Lights de Abraham Hunter. Oui, parce que chaque œuvre a un nom. Donc, ça, c'est le petit puzzle d'aujourd'hui. Je vais aller accrocher la petite dame de pain d'épices dans mon sapin. Je suis très, très heureuse, Béatrice, d'avoir des décorations de Noël qui, chaque année, me feront penser à toi. C'est trop bien. D'ailleurs, je pense que je vais écrire au dos offert par Béatrice en 2023 pour ne pas oublier. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà,
C'était un jour surprise. Je vous reparlerai de Maastricht demain, mais je n'aurais pas pu attendre un jour de plus pour déballer ce tout beau cadeau. Donc voilà, j'étais quand même un petit peu impatiente de regarder ce qu'il y avait dedans. Donc j'ai partagé ça avec vous aujourd'hui. Et puis demain, je vous partagerai d'autres petites choses concernant Maastricht. Ce n'est pas grave, je vous embrasse super fort. Je vous mets quand même les images de Maastricht. Je vous les aurais mis hein, au début ici. Portez-vous bien, profitez de ces derniers jours avant Noël, c'est la fin de l'Avent, plus que 4 jours après aujourd'hui. Bisous, ciao, ciao, ciao!